Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser des buns au jambon tomate. On aura besoin de deux pâtes à pizza, donc je les ai réétalées pour les affiner. On aura besoin de jambon en rondelles ou du bacon ou n'importe, en rondelles. Bien sûr, moi j'ai découpé ça à l'emporte-pièce et le reste du jambon je l'ai fait griller à la poêle avec des pâtes, c'était très bon, donc il n'y a pas eu de gaspillage. Ensuite, il faudra des rondelles de tomates, donc voici mon emporte-pièce. Il faudra du tartare ou imitation, ou vous pouvez même remplacer par du beurre d'escargot. Et il vous faudra des épices de votre choix, donc pour moi ce sera de l'origan, de l'herbe à mare. Et il vous faudra une fourchette pour lier les bords, et bien sûr l'emporte-pièce. Donc déjà, nous allons faire les trous, les ronds à l'emporte-pièce. Alors je viens placer mes rondelles de jambon. Pour l'instant, on va enlever les pattes qui dépassent. Ensuite, je viens y placer une rondelle de tomate. Donc là, on va venir saler, mettre les épices que vous souhaitez. Et là, on va venir y mettre une cuillère de fromage de tartare. Et avec un emporte-pièce de la taille au-dessus de ce qu'on a utilisé, nous allons revenir faire des ronds pour recouvrir le tout. Donc à l'aide de la fourchette, vous allez raccorder le bas et le haut, donc les bords. Vous pouvez mettre de l'eau ou quoi que ce soit dessus. Après, ceux qui veulent le dorer, il suffit de passer un jaune d'œuf. Donc on continue comme ça, puis on met du jaune d'œuf au-dessus pour faire bien griller le tout. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao.